commence, Frédéric ? Oui, vas-y. Donc, je suis assistante commerciale au sein du bureau d'études et je suis arrivée en juin 2008. Et donc, moi, je suis technicien au bureau d'études commerciales et je suis arrivé en 2007. Le rôle principal de l'assistante commerciale au sein du bureau d'études, c'est de gérer les demandes entrantes de chiffrage. Donc il y a un tri à faire par axe, chauffage et matériaux, et la préparation des dossiers en vue de l'enregistrement et de la distribution aux techniciens pour pouvoir réaliser ces fameux chiffrages. Mon métier donc, consiste à réaliser des chiffrages, des plans et des dimensionnements en réponse aux consultations des clients. Et on reçoit également des appels téléphoniques sur des questions d'ordre technique et réglementaire. On est une équipe d'une douzaine de personnes réparties sur deux axes de marché, un axe maison individuelle et un axe habitat collectif et industrie. On travaille en collaboration avec la force de vente qui nous indique les conditions commerciales. Et l'environnement, c'est au sein du bureau d'études avec le responsable, mes collègues techniciens. On peut aussi être amené à travailler avec nos collègues de l'administration des ventes, du SAV, les hommes produits. Nos clients sont les négoces chauffage, les négoces matériaux, les installateurs et les bureaux d'études, les architectes. On peut être amené à les avoir au téléphone. Oui, oui, on est complémentaires. Oui. Ils ne peuvent pas se passer de moi en fait. Trois qualités. Il faut être organisé. Être rigoureuse, savoir rapprocher les éléments pour constituer les dossiers, une partie d'autonomie aussi, en fonction de la quantité des demandes reçues. Je dirais le sens du relationnel client, savoir travailler en équipe et puis la rigueur pour les devis et les dimensionnements. Quand on habite à New York, c'est une entreprise locale qui était pour moi la plus importante, en dehors des mutuelles. Ça m'avait l'air d'être une entreprise familiale aussi, avec des beaux projets. Depuis que je suis arrivée, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions, des nouveaux produits. Moi-même, je suis équipée en Poujoulat chez moi, donc... C'est bien. Voilà, un conduit pour la vie. Moi, je dirais c'est une entreprise familiale qui produit quasiment tous ses produits en France. Donc c'est du vrai made in France. Et puis aussi le fait que c'est un acteur des énergies renouvelables quoi, à travers le bois énergie. Alors, c'est quoi ta question? Alors, combien de personnes travaillent dans le groupe à 100 personnes près? À 100 personnes près, on est 1500? Ah, c'est ce que je dirais aussi, ouais. Hein, Fred? Ouais, pareil, 1500. Ouais. Puis toi, dis-moi. Il miaule comment le chat Poujoulat? Moi, je te laisse miauler. Non, vas-y, c'est ta question. Miaou.